Est-ce que dans le public vous voyez de qui je parle? Le phoque. Un cousin de l'otarie qu'on confond souvent avec elle? Oui, le phoque, exactement. Alors Quentin, est-ce qu'on pourrait s'il te plaît profiter de ce moment pour que tu nous expliques comment la reconnaître? Bien sûr, la première différence c'est la manière dont il se déplace sur le sol. Mais regardez bien, Cali et Dia vont tout de suite vous faire une petite imitation du phoque. Le phoque n'utilise pas ses nageoires avant pour se déplacer. En fait, il est obligé de ramper à terre comme une chenille en quelque sorte. Oui, car le phoque possède des nageoires avant qui sont vraiment toutes petites. Alors que regardez bien chez les otaries, elles sont très grandes et très puissantes. Ce qui va leur permettre de marcher à quatre pattes ou à quatre nageoires, comme vous préférez. Mais aussi de courir à des vitesses qui avoisinent les 25 km/h. La première différence est que le phoque et l'otarie ne se déplacent pas du tout de la même manière lorsqu'ils sont au sol. Alors dis-moi comment faire pour les reconnaître s'ils sont dans l'eau? Ah, je vois que c'est cette piège éclair. Alors c'est vrai que si ces animaux ne sont pas en train de se déplacer sur la terre ferme, pas évident de voir l'utilisation de leurs nageoires. Mais il existe alors un autre moyen infaillible pour ne pas se tromper. Si vous regardez bien sur la tête de Gia ou de Cali, vous pouvez apercevoir de petites oreilles, des papillons externes. Le phoque, lui, vivant dans des régions beaucoup plus froides, ne possède que de petits trous peu visibles, des conduits auditifs. Il est donc impossible de voir des oreilles chez le phoque. Voici la deuxième différence. Parfait. Mais allez, je veux que l'on soit vraiment sûr. Est-ce que tu aurais une troisième différence pour nous? Quentin, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Eh bien justement, il s'agit là de la troisième différence. Alors est-ce que quelqu'un dans le public connaît le nom du clé ainsi que ce conjoint pour le bien-être physique de tous nos pensionnaires? Bon, c'est vrai que quand il fait un petit peu plus chaud, ça nous arrive, mais il est principalement là pour nos otaries car elles sont encore jeunes et donc très heureuses. Yeah. Nous pouvons les applaudir en effet. Et maintenant, nous allons ouvrir une parenthèse un peu plus sérieuse. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Beauval, la protection de l'environnement. On observe encore tous les jours. Bon, j'ai bien entendu quelques réactions dans le public, mais j'aimerais aussi savoir ce que Cali en pense. Et vous avez raison de vous cacher toutes les deux, ça n'est vraiment pas beau ce que Quentin vient de faire. C'est vrai, c'est à cause de gestes comme celui-ci que dans la mer, les déchets s'accumulent et forment actuellement un nouveau continent dans l'océan Pacifique. J'imagine que les otaries ou d'autres animaux peuvent peut-être confondre ces déchets avec leurs proies, les avaler et parfois même en mourir. Oui, mais pas de panique, pour éviter tous ces accidents, il existe un geste très simple et je suis sûr que tout le monde le connaît. Mais regardez bien, Cali va tout de suite nous rappeler le bon exemple. Oh, c'est l'intention qui compte, Cali, on y était presque. Attendez, messieurs, dames, c'est pas trop vite, Gia, tu t'arrives. Tu as raison, Cali, tu t'es trompé de poubelle, Laura t'a induit en erreur. Mais oui, Laura, la poubelle verte pour les déchets organiques et la jaune pour les plastiques recyclables. Le tri sélectif est vraiment un geste adopté au quotidien. Cali, tu sais ce qu'il te reste à faire? Avec des gestes simples, nous pouvons tous nous inscrire dans une démarche éco-citoyenne, que ce soit pour tous ces animaux, mais aussi pour nos générations futures. Mais fermons cette parenthèse et revenons à nos otaries. Il paraît que ce sont des animaux très joueurs et que dans la nature, les... pour le maintenir en parfait équilibre. Voilà, ça ne m'a pas l'air très facile. Est-ce que quelqu'un dans le public se sent capable de rivaliser avec nos otaries? Quentin, j'aperçois quelques mains qui se lèvent, mais je ne vois pas de très grandes moustaches. Non, je crois que personne n'a assez grandes moustaches, mais regardez bien, Cali et Dia sont encore jeunes, mais déjà très doués dans cette discipline.
C'est parfait, Cali et Pierre. Oui, bon d'accord, c'est vrai, vous êtes trois fois plus gros que les femelles. Mais malgré cette importante différence de taille, la relation entre le soigneur et l'animal reste exactement la même. Elle est basée sur le volontariat et le jeu. Volontariat et jeu, d'accord, mais avec Prune, il s'agit tout de même d'un animal de 250 kg, c'est impressionnant. Oui, mais cette approche est essentielle pour le suivi du bon état de santé de nos otaries. Nous pratiquons en effet avec elle ce que l'on appelle l'entraînement médical. Pourrais-tu nous expliquer un peu plus précisément en quoi cela consiste? Le but de cet entraînement est de pouvoir soigner nos animaux sans avoir besoin de les endormir. Et quels sont les gestes que tu peux effectuer? La première chose que l'on va faire, c'est de pouvoir accéder à toutes les parties du corps de l'animal afin de pouvoir l'examiner sans difficulté. Bon, c'est vrai que vu comme ça a l'air plutôt simple car nous avons une vision assez familière de l'otarie. Et il ne faut tout de même pas oublier qu'il s'agit d'un animal sauvage avec une mâchoire très puissante. Oui, car trois fois plus puissante que celle d'un berger allemand clair. Ah oui, quand même. Donc il faut vraiment toujours rester vigilant. Mais dis-moi, je crois savoir que chez les pandas géants, dans le cadre de cet entraînement médical, on peut effectuer des prises de sang. Est-ce qu'il en est de même avec les otaries? Bien sûr, mais dans le public, est-ce que cela vous intéresse de savoir?